Alors ce que je vous propose pour finir, si vous voulez chanter un petit peu, pousser la chansonnette, on pourrait chanter ensemble Le Temps des Cerises. Hein, vous connaissez tous cette chanson, c'est une chanson, alors là pour le coup, personne ici n'était né, c'est sûr, parce qu'elle a été écrite en 1866, donc je pense que vous n'étiez pas né. Mais par contre c'est une chanson qui a traversé les âges pour arriver jusqu'à nous, c'est une magnifique chanson révolutionnaire, c'est une chanson qui a été écrite par Jean-Baptiste Clément, qui a écrit aussi la Semaine Sanglante. Donc c'est une chanson qui date, qui est post-Commune de Paris. Vous connaissez l'histoire de France mieux que moi sans doute, l'histoire de la Commune de Paris en 1871. Le peuple de Paris qui essaie de se révolter contre les Prussiens, contre les Versaillais à l'époque, Thiers, Gambetta, etc. Ils se sont fait massacrer par le gouvernement français en 1871. Ils se sont fait massacrer, mais il nous reste de très belles chansons de la Commune. Parce qu'il m'a dit qu'il ne faut pas trop quand même, tu vois, Myriam, il ne faut pas trop parler de choses qui fâchent. Voilà, donc je fais juste un point de vue historique pour vous dire que là, Le Temps des Cerises est une chanson révolutionnaire. Donc si vous voulez, on va la chanter ensemble. Vous êtes d'accord? Vous connaissez l'air tous? Toutes et tous? Je vais vous donner le... La... La... On y va? 1, 2, 3. Quand nous chanterons le temps des cerises et guérir au Seigneur et mères de mon cœur seront dans son fête, les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Sifflera bien mieux le merlot au cœur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes pareilles tombant sur le lit en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi les peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que j'en garde au cœur. Et là, c'est une critique de bien, c'est la valise qui me regarde.